We're back. And not far from where we last saw him. We may still have time to put a stop to this. Hey, I think I found the wombat! Oh dear. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on va parler aujourd'hui de l'un des gros jeux PS5 du moment. Un jeu qui est sorti il y a un moment, mais pour différentes raisons, j'ai pas pu en parler à la sortie, raison de déménagement, raison de vacances, et tout un tas d'autres. Le jeu est développé par Insomniac Games, il est édité par Sony, il est donc sorti le 11 juin 2021, il fait partie d'une de mes sagas de jeux préférées de l'histoire, et c'est Ratchet & Clank Rift Apart. La saga Ratchet & Clank, donc, c'est une de mes sagas préférées, comme je vous l'ai dit. Il aurait été dommage de me passer de ce dernier titre annoncé alors que la saga semblait en sommeil depuis un moment. Alors que Ratchet et Clank sont honorés, ce dernier offre à Ratchet un dimensionnateur qui devrait lui permettre de retrouver enfin les Lombax. Mais Nefarious débarque de nouveau et s'en empare. Pas de bol, il le détraque et ça fout un bordel sans nom, créant des ponts entre les dimensions. Ratchet, we are too late. Ratchet. Un pitch qui est aussi l'occasion de découvrir un nouveau personnage principal, Rivette, une Lombax recherchée notamment pour ses actions de résistance face à l'empereur Nefarious de sa dimension. L'occasion pour le jeu de nous faire alterner entre la prise en main de Ratchet et celle de Rivette. Dans les faits, soyons clairs, ça ne change rien, hormis la couleur du Lombax, et ça se justifie d'ailleurs dans le scénario. Un scénario d'ailleurs plutôt bien écrit avec des cinématiques bien mises en scène dans la lignée des récentes productions de PlayStation Studio. On retrouve là une vraie qualité de production avec une VF de haute volée, évidemment on retrouve les voix habituelles de la saga, mais aussi des petits nouveaux dont Emmanuel Curtil. Globalement, toutes les forces de l'équipe se sont concentrées sur l'aspect technique du jeu. Oh dear, he is targeting us. His defenses are weakening. Preuve en est qu'il s'agit clairement du plus beau jeu de la PS5. Les décors sont sublimes et variés et mettent à l'amende la quasi-totalité des films d'animation sortis jusqu'à aujourd'hui, ce qui questionne sur le niveau des studios d'animation type DreamWorks ou Disney au passage. Mais tout cela a un contre-coup, le jeu ne propose rien de bien nouveau en matière de gameplay, on parcourt des planètes souvent assez linéaires, on attrape tout de même une planète ouverte d'ailleurs très bien foutue, en abattant des ennemis grâce aux nombreuses armes du jeu, et il y en a quelques-unes de nouvelles, dont un Telt évidemment. Et avec les gadgets moins nombreux que par le passé. On trouve quelques séquences de réflexion bien vues avec Clank et des piratages sympatoches. On retrouve aussi évidemment quelques arènes et des collectibles, moulons en or, robots espions, tenues, mais rien de franchement nouveau là-dedans. I know that now. But back then, he had me fooled just like many others. He often said I was his greatest weapon. Côté armes, elles ont toujours plusieurs niveaux et on peut les améliorer à l'aide du Raritanium, et le mode défi est bel et bien toujours présent une fois le jeu fini. Mais avec le temps, on sent que la saga a atteint un point qui l'empêche vraiment de se renouveler. Ainsi, si ce Rift Apart est excellent dans son genre, il ne prendra pas le fan par surprise et par exemple, le principe du changement de dimension en jeu est trop peu, même s'il est bien, exploité. L'humour aussi semble un peu plus entré, même si quelques éclats de rire sont toujours présents. Alors voici un excellent jeu quoi qu'il en soit, bien que j'espère que la suite, si suite il y a, parviendra à faire plus long. Le jeu est court, en ligne droite, il fait à peine 6 heures, faut compter une quinzaine d'heures pour le 100%. Donc on espère que la suite parviendra à faire plus fort, plus ouvert et avec plus de surprises. En attendant, je vous conseille quand même d'y jouer. Je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo, que vous ayez aimé ou pas le jeu, et je vous souhaite une bonne journée à tous.